Nous sommes vendredi 8 mai, il est 10h00 et le deuxième e-live, c'est maintenant. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission, ce troisième deuxième live d'un moment particulier de ce moment de confinement. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore des intervenants et des agences partenaires, mais je vais venir au programme dans quelques instants. On est ensemble pour 30 minutes et je vous propose de regarder tout de suite le programme qu'on vous a préparé pour aujourd'hui. Ce matin, nous allons recevoir Nicolas Ferrand. Nicolas Ferrand est expert comptable et il va nous parler plus particulièrement des aides dont les entreprises peuvent bénéficier et les aides dont les agents immobiliers indépendants peuvent bénéficier également. Ensuite, on ira voyager et on ira sur la croisette. On ira rencontrer Marc Azoulay. Marc Azoulay est un partenaire My Market Immo. Et il nous présentera ce matin une très jolie maison à Saint-Raphaël, pied dans l'eau. Je ne vous en dis pas plus, on découvre ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous allons faire un petit tour sur l'actualité de l'immobilier 3.0, puisque cette actualité est assez fournie. On lit la presse et on s'aperçoit que la sphère de l'immobilier vient de découvrir que les technologies étaient un sujet, je ne vais pas dire indispensable, mais fort pertinent en 2020. Et nous découvrons un maximum d'articles dans la presse en disant faites des visites virtuelles, tous les réseaux, tous les portails immobiliers y vont de poster vos vidéos. Et ça nous a amené beaucoup plus de demandes que d'habitude, et là on en est très content. Ce qui fait que la semaine dernière, nous avons sorti un petit module qu'on appelle l'audit gratuit, qui nous permet de recevoir des agents immobiliers et de voir avec eux si les technologies sont en adéquation avec leurs besoins, avec leurs agences, leur métier, leur marché. Voilà pour cette information. Cet après-midi, nous recevrons un agent immobilier. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Cette semaine, on en a reçu d'autres et nous avons déjà un nouveau partenaire qui devrait rejoindre nos rangs très prochainement. Là aussi, on vous en parlera plus tard. Cette semaine, on a sorti un nouveau bien qu'on a tourné en limite de région parisienne, partie nord, Picardie sud, si je ne dis pas de bêtises. Ce nouveau bien est présenté sur notre page mymarketimo.com à la rubrique à la une. Donc, si ça vous intéresse, une jolie maison d'architecte à la vente, vraiment en très bon état, vous pouvez contacter Philippe, c'est le propriétaire. À partir de là, vous aurez toutes les infos sur la maison. Sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités du jour. Je vois que Nicolas est prêt dans la Red Room. Je vais envoyer le jingle. Pendant ce temps-là, il ouvre son micro, on le connecte et on est parti pour quelques minutes d'interview sur les aides dont les agents immobiliers et les entreprises vont pouvoir bénéficier en ce moment. C'est parti! Nicolas Ferrand, bonjour. Vous êtes expert comptable, président du comité de création d'entreprise à l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous sur le deuxième e-live ce matin. On va parler d'un sujet éminemment important, l'économie. Pourquoi? Parce que l'économie, fondamentalement, ça rebondit sur l'immobilier. Alors, je vais vous poser une question simple. Vous qui êtes au contact des chefs d'entreprise régulièrement, le moral des troupes, le moral des entrepreneurs, il est comment en ce moment? Bonjour Laurent Molinari, merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, le moral des entrepreneurs, il est plutôt bon, dans le sens où ils sont très écoutés, ils sont très entourés, et tout chef d'entreprise qui se respecte a envie que ça bouge. Et donc aujourd'hui, au bout de pratiquement 2 mois de confinement, ils en ont un petit peu marre quand même de tourner en rond. Donc ils ont hâte que lundi matin, les choses reprennent une tournure à peu près normale, puisque j'imagine que chacun dans son métier va avoir des contraintes particulières, mais en gros, ils veulent y retourner.
Oui, c'est ça. En gros, ils veulent y retourner. Ils veulent retourner dans des conditions de sécurité optimales pour eux, pour leurs salariés, pour leurs clients aussi. Mais l'ambiance générale est à un retour, on va dire, à la quasi-normale. Alors, on va faire un point ce matin sur les différentes aides. C'est toujours compliqué en France de comprendre comment on est aidé, comment on n'est pas aidé, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un prêt. Donc, si on peut balayer, moi j'ai relevé trois aides principales, un fonds de solidarité aux entreprises, le fameux PGE, quelque chose d'autre qui s'appelle le pré-Covid résistance. Est-ce que vous pouvez rapidement nous balayer un petit peu la caractéristique de chaque prêt et est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que ça se rembourse? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'en pensez-vous? Alors, le premier, c'est le Fonds de solidarité des entreprises qui a été mis en place par la Direction générale des finances publiques. C'est une subvention, donc c'est un don qui est à destination des entreprises qui sont fortement impactées par cette crise ou par une fermeture administrative. Elle s'adresse aux entreprises qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et moins de 60 000 euros de bénéfices fiscaux. Donc c'est un don qui vient compenser en fait une perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 euros par mois. Donc c'est un public assez large auquel cette aide est destinée. Et peut aider au moins à subvenir à certains besoins dans un premier temps. La deuxième aide qu'on a évoquée, le prêt garanti par l'État, le PGE. Alors le PGE, c'est un prêt à taux zéro, in fine de 12 mois, qui s'adresse encore une fois aux entreprises, avec un montant qui va jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Alors attention, c'est un prêt, donc il faudra qu'il soit remboursé à terme ou éventuellement qu'il soit transformé en crédit amortissable au taux du marché dans 12 mois. Comme tout prêt, il doit être remboursé. C'est à prendre avec des pincettes. Le conseil, c'est d'éviter de faire des demandes trop élevées que l'entreprise ne pourrait pas rembourser. Et puis surtout, si on fait une demande de PGE et que ce PGE est accepté, il faut continuer à payer toutes ces échéances en cours. Ses fournisseurs, le plus important, parce que quelque part, chaque entrepreneur est fournisseur de notre entrepreneur, payer aussi ses dettes sociales et fiscales aussi, c'est très important. Et enfin, le troisième volet qu'on a abordé, le prêt Covid résistance. Alors ça, c'est un prêt qui est mis en place par la région Sud, qui est distribué par la plateforme Initiative, hein, les prêts d'honneur. C'est un prêt qui va de 3 à 10 000 euros, qui s'adresse à toutes les entreprises, qui est remboursable sur 48 mois, avec un différé pouvant aller jusqu'à 18 mois. Ça, c'est plutôt un prêt intéressant pour des petits montants. À la limite, c'est peut-être plus intéressant de diriger vers ce prêt-là plutôt que vers un PGE. Merci. Alors, moi, j'ai relevé ou noté deux, trois questions. Donc, le premier sur le don de solidarité. Donc, on a bien dit c'était un don. Donc, C'est un fonds, oui. ça se rembourse pas. D'accord? Ça ne se rembourse pas et c'est non imposable. Parfait. Alors, vous Pour avez l'entreprise. donné trois chiffres pour avoir quelques petits éclaircissements. 1 million d'euros de CA, 60K de résultat net, j'imagine. Et 1 500 euros. Ce chiffre de 1 500 euros, ça correspond à quoi dans l'histoire? C'est par jour, par mois, par an? Et par mois où on a eu le confinement, donc c'est-à-dire mars, avril. Ce matin, on a eu l'information qu'il était prolongé aussi pour le mois de mai, puisqu'on sortira, on sort du confinement le 11 mai, en tout cas en D'accord. partie. Et en fait, ce chiffre de 1 500 euros vient compenser une perte de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait perdu 800 euros de chiffre d'affaires en comparant le mois d'avril 2019 et le mois d'avril D'accord. 2020 aurait une subvention de 800 euros. Si on dépasse les 1 500 euros, on est plafonné à 1 500 euros. Très bien. Donc, si on prend une profession qui nous intéresse particulièrement, qui est celle de l'agent immobilier, pour un agent immobilier, c'est peut-être difficile de dire la perte de chiffre d'affaires mensuelle, puisque Voilà. Alors, ça se lisse. Donc, lui, voilà, est-ce c'est qu'il a le l'histoire. droit au fameux fonds solidarité entreprise ou il passe à travers parce qu'il ne peut pas prouver l'évolution de son chiffre? Alors, donc sur le mois de mars, il y passait à travers parce que le mois de mars a été mis un petit peu en place voilà, sur une situation inédite et que personne ne connaissait, donc l'État a fait au mieux. Sur le mois d'avril, ils ont apporté une modification, c'est que le chiffre d'affaires de référence peut être le chiffre d'affaires 2019 moyen. Donc ça peut très bien s'appliquer sur des agents immobiliers indépendants. D'accord, donc si moyenne son chiffre d'affaires 2019 et si moyenne son premier trimestre 2020, on va le faire comme Même ça. pas, uniquement sur son mois d'avril, par contre.
D'accord, donc s'il n'a pas signé d'acte en mois d'avril, parce que comme il n'allait pas chez le notaire, vu qu'il était fermé, forcément, il Avril, emplâterait tu le vas. mois d'avril. Voilà, on peut prendre par l'exemple d'un agent immobilier indépendant qui aurait fait 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel en 2019. Si on ramène la moyenne, ça fait une moyenne de 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, comparé au mois d'avril 2020, zéro, il rentre dedans, il est éligible au fonds de solidarité. D'accord. Donc, il prend 1 500, il passe par la case départ, il prend 1 500. C'est ça. Il s'arrête pas en prison. Continue à jouer. Non, non, non. Ça, c'est important. Donc, cela, il ne les remboursera pas. Ça, c'est fait. No Ouais. notre bon agent immobilier, lui, est-il éligible au PGE? Bien sûr. Donc, en tant qu'indépendant agent immobilier, il peut demander du PGE. Donc, là-dessus, pareil, on a un calcul de baisse ou de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, je crois, hein. 25% du CA. 25% du chiffre d'affaires 2019. Son PGE, il va le demander à sa banque, à son établissement bancaire qui tient son compte D'accord. professionnel, qui étudie son dossier avec bienveillance, puisque c'est un prêt qui est garanti par l'État. Donc ça veut dire que quand on fait ce Ouais. prêt-là, il n'y a pas de caution solidaire qui est demandée aux dirigeants de Ça, l'entreprise. c'était ma question suivante. Voilà, il est garanti par ABPI. Donc la banque, une fois qu'elle a donné son prêt accord, on a simplement à aller se rendre sur le site d'ABPI et demander une attestation auprès de l'ABPI pour le montant qui est accordé. Donc, si je reprends notre même ami agent immobilier qui a fait ses 60 000 euros de CA l'année dernière, 25%, si je calcule à peu près bien, ça fait 15 000. Donc, il va voir son banquier, il lui dit bonjour cher ami, je voudrais 15 000. Et normalement, ça devrait gazer. Normalement, ça devrait gazer. Le banquier va lui demander quelques informations pour savoir pourquoi, enfin, pour quelle raison il a besoin de ces 15 000 et qu'est-ce qu'il va payer comme charge dessus. Il suffit de lui répondre qu'on va payer, je sais pas moi, un loyer, son téléphone, quelques charges sociales, et puis tout va bien. Oui, parce que notre même agent immobilier, comme il est indépendant, il paye son ancien RSI, on va le dire comme ça, et donc il a ses charges à payer, il doit honorer toutes ses factures. Maintenant, ces 15 000, il va devoir les rendre cash à la fin de l'année, Alors, deux soit les solutions. étaler sur 48 mois, si j'ai compris. C'est ça, voilà. Première solution, dans 12 mois, enfin 10 mois à peu près, le banquier va lui demander ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il veut les rembourser, cash, 15 000, ou est-ce qu'il veut transformer ce crédit de trésorerie, c'est un crédit de trésorerie, ce qui est très rare, il veut transformer en crédit amortissable. Là, à ce moment-là, le crédit amortissable se fera au taux en vigueur qu'il y aura à ce moment-là au marché. Parfait, et on peut l'imaginer sur 48 mois, c'est ça? Alors ça sera la banque qui choisira. Ça D'accord. sera en fonction aussi des revenus de notre agent immobilier et s'il a réussi à vendre beaucoup de maisons. Ok, donc ça c'est très important puisque aujourd'hui on a quand même du mal à définir ce que sera le marché en 2020. Donc notre bon agent immobilier pourra refaire du chiffre ou ne pas en faire. Si par malheur il fait pas de chiffre, eh bien, comme il n'est pas caution, agent immobilier, mais n'importe quelle PME, ça sera la même chose. Si elle vient N'importe quel. à déposer le bilan, j'allais dire, à faire une cession d'activité, cet argent ne sera pas dû à l'emprunteur, Non. quoi, à la personne qui a prêté, pardon. Voilà, aux dirigeants. C'est ça, Voilà. exactement. Donc ça, c'est aussi un prêt qui, c'est quasiment du jamais vu dans le pays. Où Ah, c'est on, du jamais vu. surtout pour de la trésor, c'est-à-dire que là on n'est même pas sur du BFR C'est ça, ou sur ADR, on est c'est sur la pas trésor pure. C'est bas de bilan pas très au direct. pur. Voilà. D'accord. Et donc, quant au troisième, le prêt Covid résistance, celui-là, notre bon agent immobilier, il a le droit, il n'a pas le droit? Bien, il y a droit aussi. Oh, c'est Amérique. Bon, droit aussi, notre immobilier. Alors ça, c'est un prêt qui se rapproche beaucoup des prêts d'honneur, des plateformes initiatives qui sont à D'accord. destination des créateurs d'entreprises. OK. Le montant, lui, par contre, est plafonné. Il est entre 3 et 10 000 euros. D'accord. Il Et dépend de c'est le. quoi? Le Alors, plafond? il est un petit dossier très synthétique, hein, parce qu'ils ont, là aussi, ils ont simplifié les procédures et donc ils viennent en aide aux entreprises qui ont besoin de régler certaines échéances, des échéances fiscales, un loyer à payer ou éventuellement aussi qui ont envie de se réorganiser et, par exemple, de numériser leur activité. À ce moment-là, on peut aller demander ce prêt Covid résistance pour, par exemple, financer un site internet, par exemple, ou du matériel
de visioconférence ou pour faire des interviews en live, comme toi, Laurent. Ah, magnifique. Et donc, auprès de Je vais trois mille m'empresser d'aller en demander une couche pour nous rembourser tout personnes. l'équipement qu'on a mis en place. Voilà. Et en fait, c'est le demandeur, après, qui en faisant son dossier, demande si il veut avoir un différé de règlement. Choisit aussi lui-même la durée de remboursement après en cas d'amortissable sur 12 à 48 mois. Tout ça à taux zéro. D'accord. Donc, si on résume, notre agent immobilier qui a fait ses 64 chiffres d'affaires l'année dernière, dans les conditions qu'il soit à jour de toutes ses dettes sociales, fiscales et fournisseurs, on va dire ça comme ça, il peut réclamer deux fois 1500, avril et mai, si tout va bien. C'est Il peut ça. Oui, c'est il bien peut résumé. réclamer, c'est un grand mot, il peut demander deux fois 1500, il peut demander 15 000 euros à son banquier sur le PGE. Et une enveloppe de 3 à 5 000 euros sur le prêt solidarité. Donc, il peut rentrer 20 à 25 000 euros de trésor pour passer le cap et se permettre de rebondir. Tout Voilà, ceci ça c'est le cas. sans aucun engagement perso, donc du jamais C'est vu en ça. France Jamais. depuis je sais pas quand, mais du jamais vu, puisque jamais c'est jamais. Alors, maintenant qu'on a Pense dit pas. ça. Enfin, moi, j'ai jamais connu depuis le temps que je travaille, et ça fait quand même quelques décennies, j'ai jamais vu ça. Donc, là, on a parlé d'un agent immobilier à 60 000 euros, mais on sait que ça, c'est valable sur la totalité des entreprises en France. Donc, on parle de mouvements aujourd'hui assez gigantesques au niveau au niveau des fonds qui vont être alloués à l'économie. Oui. Est-ce que vous, chez les experts comptables, vous avez calculé ou vous avez fait des prévisions d'impact positif, négatif, sur des capacités. Moi, je vais donner un exemple. J'ai beaucoup d'amis qui sont chefs d'entreprise, on en parle, et il y en a certains qui me disent non, mais le banquier m'a appelé, il veut m'envoyer 500 000 euros. Je lui dis, tu es fou, quoi. Même si je dépose, je ne vais pas retravailler pendant 10 ans pour rembourser encore 500 000 euros de plus que j'ai déjà sur le dos avec tous les ennuis que j'ai, sans savoir si mon entreprise sera pérenne. Donc, surtout, tu gardes tes 500 000. Est-ce que ça semble un discours logique d'un chef d'entreprise pour vous qui êtes vraiment au cœur du sujet avec vos clients? Alors oui, c'est le discours d'un chef d'entreprise qui, à mon avis, est plutôt bien conseillé et gère bien sa boîte, en tout cas la pilote. Parce que faire un emprunt pour faire un emprunt, ça n'a pas un grand intérêt. Si ma boîte va bien et si je suis un secteur qui n'a pas été trop impacté par la crise, j'ai pas vraiment de raison de faire cette demande de prêt garanti par l'État. Puisqu'ils arrivent à suivre, je vais pouvoir payer mes charges, j'ai pas de problème. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce prêt garanti par l'État, il vient vraiment aider les entreprises qui vont passer une difficulté passagère. C'est ça. Et donc l'idée, c'est vraiment, certains banquiers l'ont demandé, c'est de se faire un petit tableau de trésorerie quand même, alors même si on n'a pas de boule de cristal, parce qu'on ne sait pas quand certaines activités reprendront réellement, mais au moins se faire un tableau de trésorerie pour savoir si, dans l'hypothèse où ça se passe plutôt bien, à la reprise, si on sera capable déjà de rembourser ce prêt dans 12 mois. Bon, je Absolument. pense que l'idée principale, ça, il ne faut pas partir sur une idée de toute façon, je le prends et puis après je le transforme en amortissable, c'est pas grave. Voilà. Tout en sachant qu'il faut que ça reste la seule dette. Il ne faut pas prendre le PGE, commencer à décaler ses charges sociales, commencer à décaler régulièrement tous ses fournisseurs. Là, c'est la fuite en avant. Et c'est certain que dans 12 mois, ça se finira au tribunal de commerce en liquidation judiciaire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, je veux dire, qui n'est pas raison, mais le Covid au niveau de la santé a atteint les personnes les plus fragiles, c'est celles qui étaient dans la plus grande difficulté, ceux qui avaient plusieurs pathologies en même temps. Est-ce qu'on peut dire au niveau économique que le Covid va aussi s'occuper malheureusement des entreprises les plus fragiles? Et c'est là, dans ce que j'entends, ce que vous dites, bon les gars, profitez pas du PGE et tout pour le champ du cygne, quoi. Bon, si vous y êtes, vous y êtes, mais logiquement, excepté d'une activité très particulière où on peut comprendre qu'on a besoin de cash pour passer ce cap, si c'est un problème structurel et pas conjoncturel, peut-être qu'il faut faire gaffe parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Est-ce que vous partagez cette idée? Exactement ça. Alors on nous dit que c'est pas une crise économique. Là où il faut faire justement attention, c'est qu'il faudrait pas que cette crise sanitaire débouche sur une crise économique par des sentiments de repli, hein. On le sait, le mois dernier, la collecte d'épargne a doublé par rapport au même mois l'année dernière.
alors que tout le monde est enfermé à la maison et théoriquement, on doit consommer un peu plus, parce qu'en plus, les restos ne sont pas ouverts non plus. C'est certain que ce soit une crise économique ou une crise sanitaire, ou un texte législatif qui interdit une activité, c'est un peu la sélection naturelle. Ceux qui allaient mal avant, iront, a priori, en tout cas dans la grande majorité, ils iront mal après. Si on va pas bien, ben le PGE, ça va être une routine qui va permettre de tenir 12 mois. Mais si c'est structurel, voilà, ou si malheureusement on a des gens qui sont pas, qui n'arrivent pas à peut-être révolutionner leur manière de travailler, parce qu'il va falloir penser à ça aussi, ça ira droit dans le mur. Sur un sujet complémentaire, est-ce que vous pensez que l'État va nous augmenter les impôts l'année prochaine ou l'année d'après pour rembourser tous ces PGE qui n'auront pas été remboursés par les entreprises pour des raisons qu'on vient d'évoquer? Tu voulais savoir si Bercy allait augmenter les impôts l'année prochaine ou pas? Je pense que peut-être pas l'année prochaine, ils vont laisser souffler, mais je pense que l'année d'après, ça va commencer à grimper sérieusement. Alors, écoute, ce qui se dit en commission des finances, parce qu'on a l'ancien président de l'ordre d'experts-comptables, PACA, qui est député aujourd'hui et qui est à la commission des finances, je l'ai eu mardi au téléphone. Ce qui se dit, c'est qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas prévu de changer leur ligne directrice jusqu'aux prochaines présidentielles. D'accord. Donc Donc je vais. on est plutôt sur un scénario à la grecque, c'est-à-dire que pendant très très de nombreuses années, on a flirté avec les 100% d'endettement du PIB, et donc là on est plutôt sur un scénario à la grecque où maintenant on va s'habituer à flirter avec les 110%. Nicolas, merci beaucoup pour cet entretien fort instructif. Je pense que les agents immobiliers qui vont nous suivre et les autres entrepreneurs auront appris des choses ce matin. La conclusion, elle vous appartient. Si vous avez quelque chose à dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, vous leur diriez quoi à la sortie de ce confinement? Quel serait votre conseil? Ben moi, je voudrais juste adresser un message aux entrepreneurs qui nous écoutent ce matin, c'est que la reprise, elle nous appartient à tous, dans le sens où si chacun consomme et chacun consomme local, ben, je pense qu'on déjà on va sauver toutes les entreprises qui sont à côté de chez nous. Et donc, ben, si on sauve les entreprises à côté de chez nous, on va tous se sauver. Bravo, j'aurais pas mieux dit. Consommons français, arrêtons d'épargner, sortons du cash de là où il est rangé dans les bas de laine et repartons. Peut-être que c'est ça la bonne leçon de ce confinement. Nicolas, merci beaucoup. Merci d'avoir passé du temps. Vous êtes le bienvenu quand vous avez des choses à dire sur le deuxième e-live. Et restez couverts, sortez pas avant lundi, parce que lundi, c'est le déconfinement, mais pas vendredi. Bonne journée à vous. Voilà, on a passé un petit moment, la caméra c'est celle-là, avec Nicolas. J'espère que cette interview vous a plu et vous a appris des choses sympathiques. Voilà, Nicolas nous quitte, je vois qu'il s'en va. Je dis Nicolas, à bientôt. Donc maintenant nous allons changer de sujet. Nous allons aller sur la croisette, rejoindre Marc Azoulay. Marc Azoulay de l'agence Marclays, qui nous reçoit et qui nous fait visiter, nous emmène dans un très joli bien à Saint-Raphaël. Donc là aussi, je vais faire rentrer Marc dans l'émission. On envoie le jingle et on reçoit Marc. À tout de suite. Marc, bonjour. Ça Bonjour. me fait plaisir de t'accueillir ce matin sur le deuxième e-live. Marc, tu es agent immobilier depuis longtemps et tu es dans un secteur qu'on affectionne beaucoup, la Côte d'Azur, Anti-Bécane. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes agences, ton entreprise? Alors, il faut remonter avant les années 2000, où on avait déjà ouvert une première agence au Palm Beach à Cannes. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un marché potentiel qui était beaucoup plus important que le quartier où nous étions situés. Donc, on a très vite évolué sur la basse Californie, sur les grandes villas sur les hauteurs de Cannes. Et puis, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir une autre agence sur la Croisette, juste à côté du Martinez, qui s'appelle Marclays. Marclays étant la contraction de Marc Azoulay, et moi en étant le directeur commercial. Ensuite, on a ouvert une agence au Cap d'Antibes, enfin,
à Antibes, mais proche du Cap d'Antibes, pour être vraiment sur le secteur du Cap d'Antibes, un micro-marché que nous avions déjà entre les mains depuis pas mal d'années. Mais là, maintenant, avec cette adresse, on arrive à rentrer beaucoup plus de biens et à présenter beaucoup plus de biens et vendre beaucoup plus de biens. Alors ce matin, plus particulièrement, on va aller visiter un bien magnifique que j'ai eu le plaisir de voir tourner. Tu vas nous Exact. emmener à Saint-Raphaël, sur le port, pied dans l'eau, dans une magnifique maison. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous la présenter avant qu'on présente le film à nos amis spectateurs? C'est un bel hôtel particulier qui a plus de 150 ans, qui est monté sur pratiquement 4 niveaux. Il fait 600 mètres carrés et à l'époque, il était construit sur plusieurs hectares. Il y a une vingtaine d'années, lors d'une succession, une très grosse partie du terrain a été vendue. Ils en ont fait une très belle, de beaux bâtiments très résidentiels. Donc, on a déjà une entrée qui est privée de par la résidence. On traverse la résidence par un chemin qui nous est privé. On accède, bien sûr, à cet hôtel particulier qui, lui, était en bout de terrain à l'aplomb du port de Saint-Raphaël. Donc, on a une vue Magnifique. Écoute, je te magnifique. propose qu'on emmène nos amis spectateurs du deuxième live dans le bien, on en revient et on parle. Avec C'est plaisir. parti. Marc, cet hôtel particulier qui a dû en faire rêver plus d'un, c'est quoi? C'est l'époque de la Bastille, dont le démarrage, on se retrouve en quelle année, les origines? Origine, là, il faut remonter avant 1880, à peu près. Ça a été dans une seule et même famille, en résidence secondaire, jusqu'à à peu près 20-25 ans, où il restait qu'une seule personne qui est toujours vivante, mais qui ne peut plus vivre dans cette très grosse bâtisse. C'est un vrai hôtel particulier comme on n'en trouve pas dans la région. On trouverait ça dans d'autres régions de France, mais sur la Côte d'Azur. C'est pas une Bastide provençale, c'est pas une villa hyper moderne. Elle a été reconditionnée, donc maintenant avec un architecte, elle est très moderne comme vous avez pu le voir dans le film, mais la base reste la même. Donc ce projet, ça a été récupéré par un particulier, ça a été récupéré par un vrai projet de la refaire pour la revendre.
C'est quoi l'histoire, la deuxième histoire de ce bien? Alors, l'histoire fait que depuis très longtemps, on sait qu'on va s'implanter à Saint-Tropez. Donc, j'ai un réseau d'amis, etc., dont quelqu'un qui vit dans la région lyonnaise et qui a acheté ça une dizaine d'années en pensant pouvoir y vivre la moitié de l'année. Il s'est très vite aperçu, parce qu'il est jeune, qu'il ne pouvait pas partir à la retraite aussitôt. Entre-temps, on lui a revendu autre chose à Cannes, à Super Cannes, qu'il est en train de finir de construire, un bien qui encore bien plus élevé au niveau prix. Et donc, il a décidé de le mettre à la vente. Comme tout vendeur, il va voir les agences, leaders, les grands noms. Et puis, comme c'est un ami, je lui propose de prendre l'exclusivité et de faire un travail que nous réalisons, toi et moi, ensemble, grâce à toi. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ce produit sur le marché, on a un nombre de visites considérable, puisque tu le sais, on peut faire le point tous les soirs de qui a été voir cette maison, comment, etc. Mais ça, c'est le concept que tu as et que les gens peuvent comprendre. Alors ça c'est vrai, Donc. on fait un petit point sur le concept, on a présenté ça à ce propriétaire, tout de suite il a trouvé... Là, je vais dire Génial. un intérêt pour lui. On a filmé et depuis ça bouge beaucoup. On peut dire que déjà il y a quelques individus qui s'intéressent à cette propriété. Du moins Oui. avant le confinement, ça commençait à Avant bouger. le On Oui. espère que ça va continuer. Ce qui me permet d'enclencher la deuxième question là aux professionnels de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur. Comment tu vois le marché? Comment tu vois la reprise? Est-ce que cata, grosse négo, au contraire des gens qui vont se dire il est temps d'aller au soleil, allons-y. Comment tu sens ça, toi qui es au contact de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur? Je pense qu'il va y avoir un petit flou de quelques semaines, voire jusqu'à cet été, concernant la clientèle, puisqu'on sait que les étrangers ne peuvent pas rentrer en France à partir de maintenant et avec beaucoup de difficultés pour repartir de France. Donc ça concerne quand même toute une clientèle des pays du Golfe, des Américains, d'Amérique du Sud ou même de toute l'Europe. Donc ça va être un peu plus difficile pour ce genre de produit. Bon, maintenant j'ai connu les subprimes en 2008-2009 à Miami. On a su faire le dos rond pendant 2 ou 3 ans. C'était une crise économique. Là, on n'est pas dans une crise économique. Donc, rien ne va bouger. Il y aura un calme, un flou, mais tout va rester stable, voire même peut-être augmenter pour certains produits, parce que les acheteurs revenant sur de la pierre après la bourse, après beaucoup de choses, peuvent rebondir chez nous avec de belles transactions. Donc tu penses que le ralentissement quand même économique mondial ne va pas forcément impacter l'immobilier de luxe sur la Riviera. On va parler de celui-là. Non. On va parler de la Riviera, hein, c'est le marché que je connais. Non, on était en confinement, on a envoyé des mailings à tout le monde, on a communiqué avec beaucoup de nos clients. Tous sont en attente parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer géographiquement, mais on sent qu'on a beaucoup, 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 beaucoup d'appels, voire même plus que d'habitude, hors de période de confinement. Ce qui me donne l'occasion de dire qu'on a des tournages qui vont arriver sur la croisette, puisqu'on en a parlé, et qu'on pourra Oui. proposer encore à nos amis qui nous regardent des jolis biens un petit peu exceptionnels pour ceux qui sont amoureux des belles pierres et des beaux produits azuréens. Voilà, mais par contre, sachant quand même une chose, c'est que si on regarde notre portefeuille de biens, on a une collection de produits qui part quand même à partir de 500 000, 600 000, 700 000 euros pour effectivement, on a des villas à 12, 13, 15, 20 millions, mais notre cœur de cible pour nos transactions, c'est le million et bien en delà, hein. Bien sûr, et on ne se privera pas d'ailleurs d'aller filmer des biens à 500 000 parce qu'on n'est pas Ah oui. bloqué sur des biens à 5 millions. Le concept et l'intérêt pour les acheteurs et les vendeurs est un intérêt global, quel que soit le prix du bien. Mais ça, toi et moi, on l'a bien compris et que la techno va devenir indispensable, raison de plus après Bien. le confinement. Et ceux qui sont en train de le comprendre. Tout à fait. Marco, je vais te remercier pour ce moment, pour cette interview, pour ton sympathique discours comme d'habitude. Et je te Merci. dis à très bientôt sur les ondes. On ne manquera pas de suivre la vente de ce bien et d'en parler aux gens qui nous suivent. Je te dis à très bientôt. Bonne journée et Merci. au plaisir. Salut Marco. À très bientôt.
Voilà, on quitte Marco, on quitte cette maison assez exceptionnelle. J'espère que ça vous a fait du bien, au moins du bien aux yeux. Et nous ne manquerons pas donc de suivre les aventures de la vente de ce bien. Voilà, le deuxième e-live, je reprends cette caméra, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, je pense qu'on demandera à Christelle, qui je sais est là, elle nous regarde, donc de venir nous parler du bien qu'elle nous a présenté en première émission, parce que je crois que ce bien est vendu et ça c'est plutôt sympathique. Et puis nous recevrons encore un nouvel intervenant pour nous parler d'un sujet d'entreprise, que ce soit l'argent ou autre chose. Merci à tous, portez-vous bien, restez chez vous encore quelques jours, lundi ça arrive très vite, et bonne activité et bon immobilier à tous. Salut!